Voilà, c'est exactement le genre de petit concert auquel vous pourriez assister si vous étiez hospitalisé ou incarcéré. C'est exactement le genre de petite formation qu'on peut exporter à l'hôpital facilement, donc deux flûtes et un basson. Avec mes amis Benoît, Loïc, on a déjà d'ailleurs joué dans cette formation exactement la même, dans plusieurs endroits. Donc si vous étiez dans ces lieux où l'association Papageno intervenait. Donc l'association Papageno regroupe des musiciens professionnels et organise des concerts de musique de chambre auprès des publics dits empêchés. Alors que sont ces publics empêchés ? Ce sont les gens qui, pour des raisons de santé, d'exclusion sociale, momentanée ou plus ou moins longue d'ailleurs, ne peuvent se rendre au concert. Et c'est donc le concert qui vient à eux. C'est un principe très simple. Puisque les gens ne peuvent pas bouger, nous, on est mobiles, donc c'est nous qui allons aller vers ces gens. Alors vous allez peut-être me dire, vous êtes en droit de penser, mais comment ces gens sont déjà empêchés ? Ils sont dans l'incapacité de s'enfuir et vous leur infligez une heure de musique classique. C'est quand même pas très sympa. Alors évidemment, l'idée, c'est pas d'infliger une contrainte supplémentaire, mais plutôt d'ouvrir une fenêtre sur l'extérieur, peut-être sur la vraie vie,
d'offrir une bouffée d'oxygène ou au mieux de partager une heure d'émotion musicale. Et en fait, ça fonctionne très très bien. Donc c'est vrai qu'on fait ça avec deux petites arrière-pensées. Donc la première serait de dire pourquoi est-ce que les puissances politiques ne prendraient pas le relais ? Par exemple, un maire de commune, est-ce qu'il se dirait, ben moi, qu'est-ce que je fais dans ma commune pour aller auprès des publics empêchés ? Comment je fais pour qu'il y ait plus de culture, de la musique classique, auprès des gens qui n'ont pas la possibilité de l'écouter ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et on a la naïveté de penser que d'amorcer un tel programme, ça pourrait être pérennisé par la suite. Bon, en attendant, l'association continue d'aller dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite et les écoles de ZEP, par exemple, ces fameuses zones d'éducation prioritaire, dans lesquelles on est parfois amené à faire un peu de pédagogie, c'est-à-dire, par exemple, à expliquer que non, Beethoven n'est pas un chien, et, ou en tout cas pas que un chien. Voilà. Et la deuxième petite idée qu'on a, c'est aussi de dire, vous, public, peut-être que quand vous serez en mesure de le faire, venez dans les lieux de concert, car on est les musiciens classiques, après tout, on est des gens normaux, on n'est pas des dinosaures. Les lieux de concert sont ouverts à tous, ils ne sont pas réservés ni à une élite, ni à un public d'initiés. Il s'y passe de belles choses, et il faut y aller sans avoir peur, par exemple, de ne pas savoir comment s'habiller. Alors c'est vrai que nous, on est en queue de pie et en robe du soir, mais vous pouvez venir en blue jean. Et si vous ne savez pas quand applaudir, eh ben, c'est pas grave. Moi, j'ai un petit truc pour vous. Vous attendez que tout le monde applaudisse et vous applaudissez ensuite et ça marche très bien. Voilà, donc l'association existe depuis une quinzaine d'années à Paris et à Lyon. Et elle se produit dans ces deux villes et dans un rayon assez large autour de ces deux villes. Les musiciens qui la composent sont issus des grandes formations symphoniques ou lyriques de Paris ou de Lyon. Donc, pour la plupart, l'Opéra National de Paris et puis ici à Lyon, l'Orchestre National de Lyon. Et les musiciens sont entièrement bénévoles. On a plus de 300 concerts à notre actif. Et chaque fois qu'on joue dans ces conditions, dans ces lieux un peu différents pour nous, eh bien on se dit qu'on devrait le faire plus souvent, parce que c'est toujours des expériences très enrichissantes. Alors, pourquoi Papageno ? Alors, si vous connaissez l'opéra de Mozart, La Flûte Enchantée, opéra que j'aime particulièrement, bien sûr, parce qu'il met en scène mon instrument, vous connaissez peut-être le personnage de Papageno, qui est un personnage secondaire, mais très important. Donc ce personnage se voit confier un jeu de clochettes magiques. Et à chaque fois qu'il est dans une situation inextricable ou qu'il est désespéré, il sort son jeu de clochettes, il joue les clochettes et tout s'arrange. On a de nombreuses références au côté magique de la musique, également dans beaucoup d'autres œuvres d'art. Et dans la mythologie, par exemple, vous avez le mythe d'Orphée. Donc Orphée, quant à lui, s'est vu doté d'une lyre par le dieu Apollon, le dieu de la beauté, qui lui a donné cette lyre qui lui permettait de charmer les pierres, les plantes, d'adoucir les âmes, de faire pleurer les hommes et d'adoucir même les dieux. Alors vous voyez avec tout ça. Donc le côté magique de la musique, en tout cas nous, on le vit au quotidien, parce que quand on joue auprès de ces publics empêchés, on se rend compte que, bon c'est peut-être pas magique, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais on a l'impression quand même d'amener quelque chose à ces publics. Nous, ça nous amène aussi beaucoup, parce que déjà, ça nous sort du confort de la salle de concert, parce qu'on joue dans des couloirs, on joue dans des salles qui ne sont pas du tout dédiées à la musique. Et donc, forcément, il faut s'adapter. En plus, l'activité du lieu
ne va pas s'arrêter pour nous. Hein. Donc, quand on joue à l'hôpital, il y a les chariots qui passent, il y a les patients, les familles, etc., qui déambulent. Donc, pour nous, ça, déjà, ça nous met un petit peu en difficulté, parfois instrumentale, en tout cas. Ça nous sort de notre contexte habituel. Et puis, en général, c'est vrai que on est toujours heureux d'expérimenter ces endroits. Alors, par exemple, quand on joue dans les grandes salles de concert, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de contact avec le public. Parfois même pas du tout, parce que quand on joue dans la fosse d'orchestre, si on est un orchestre d'opéra, on joue en fosse et on ne voit pas du tout les gens. On sait qu'ils sont là parce qu'ils applaudissent éventuellement, aussi parce qu'ils toussent beaucoup, notamment à Lyon. Mais sinon, on n'a pas d'échange vraiment. Donc, c'est vraiment une belle expérience pour nous que d'aller auprès des patients. On est dans un couloir d'hôpital. On est quatre, on est trois, et on est à la proximité vraiment des gens. On peut parler avec eux, on peut leur expliquer ce qu'on joue, les instruments, enfin, on peut dialoguer avec eux. Et puis surtout, on peut voir l'effet de la musique sur eux. Donc ces gens, ils sont fragilisés en plus par leurs conditions. Si on parle à l'hôpital, par exemple, leurs conditions de patients, les gens qui sont fragilisés par la souffrance et la maladie. En plus, ils sont tous en tenue d'hôpital, donc le chef d'entreprise, comme l'ouvrier, bah, il ne va pas être à son avantage, hein, il est dans une situation neutre, on va dire. Ce qui fait que ces gens sont un peu nus devant nous, et nous finalement aussi, parce qu'on leur offre quelque chose d'intime. Quand on joue, on offre quelque chose qui vient au plus profond de nous, et finalement, eh ben, par cette proximité, on peut dire que l'émotion, elle est presque palpable, et que c'est toujours des expériences qui nous nourrissent et qui nous rendent peut-être plus forts, en tout cas qui nous paraissent importantes. Quand on joue, par exemple, dans un service de néonatalogie où les bébés sont en couveuse, on joue devant des prématurés, des bébés tout petits qui sont en train de lutter pour vivre. Et en général, dans ces endroits, il y a beaucoup de bruit. Il y a le bruit des machines, mais il y a surtout les pleurs et les cris des enfants. Eh bien, on l'a vécu à chaque fois, ça se produit. Quand on commence à jouer, les pleurs s'arrêtent instantanément. Il n'y a plus que le bruit des machines et nous. Et ça, c'est des moments forts, on a l'impression de parler un langage universel à ces tout petits bébés de quelques jours qui se mettent à écouter de toutes leurs oreilles. Pourtant, ils n'ont aucune clé pour décoder le langage qu'on utilise. Donc, c'est bien la preuve que c'est un langage universel qui peut toucher tout le monde. Parfois, dans les prisons, on voit des détenus qui pleurent à l'écoute de Schubert ou de Debussy. Ils sont vraiment émus, on peut le voir. J'ai souvenir également d'un concert qu'on avait fait dans un hôpital pédiatrique lyonnais, où on jouait devant les ascenseurs dans le hall. Et donc les gens montaient dans les services, sans trop faire attention à nous d'ailleurs. Par contre, quand l'ascenseur redescendait et qu'il déversait les gens, les familles et les patients vers les musiciens, alors déjà ils étaient étonnés parce que on n'a pas l'habitude de voir des musiciens dans un hall d'hôpital. Mais ces gens-là, on voyait qu'ils étaient apaisés, non seulement par la musique, mais aussi par le fait de se dire, mais finalement, cet endroit où je laisse mon enfant malade, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où la vie pénètre. Et donc ça donne un grand sens à notre métier, bien sûr. Alors parfois, on a des expériences un peu moins positives auprès de certains publics qui n'ont pas d'autocensure, les enfants ou les personnes handicapées mentales, qui ne sont pas forcément soumises à un code social ou de politesse. Et donc, on jouait dans un foyer de vie pour adultes handicapés mentaux. Et on jouait du Shostakovich. C'était une pièce un peu ironique, un peu dissonante. Et ça n'a pas plu du tout à un des patients,
qui s'est mis à hurler, mais toutes les trois secondes, mais pendant toute la durée de la pièce. C'est nul ! C'est nul ! C'est nul ! Bon, alors, on a continué à jouer, c'était un petit peu difficile. Mais c'est vrai que nous, ça, bon, c'est à quoi s'en tenir hein, avec ça. Ça remet les pendules à l'heure, on descend un peu de notre tour d'ivoire. Et je pense que c'est très profitable pour tout le monde. Voilà, donc de nombreuses associations, bien sûr, interviennent dans les hôpitaux ou notamment auprès des enfants. Certaines d'entre elles rémunèrent leurs artistes. Donc nous, on n'a pas vocation, bien sûr, à évincer des collègues, en fait, en proposant un service gratuit. Mais simplement, on pense qu'il n'y a jamais trop de musique, il n'y a jamais trop de culture, où qu'on soit. Et on est content de pouvoir en amener un peu plus en faisant ce qu'on sait faire. Finalement, on veut aider les gens, mais moi, par exemple, si je veux partir avec Médecins sans frontières, je vais embêter tout le monde, je ne sais rien faire. Donc finalement, je sais faire quoi ? Je sais faire de la musique, on sait donner des concerts. Donc on a décidé de faire ça pour essayer d'avancer un peu dans l'humanité, de proposer un peu d'émotion, un peu d'humanité à ces gens. Et donner de notre temps, puisqu'on a la chance aussi d'être membre d'orchestre permanent. Donc on a la possibilité de le faire. Et c'est ce qu'on a choisi de faire. Merci pour votre attention.